Salut à tous, je suis Gilvée et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans State of Decay. La mise à jour 37 est disponible et en fait j'aurais dû tout simplement me connecter dans le jeu pour avoir une version traduite. Mais ça, je ne le savais pas. Donc du coup, c'est pas très grave pour la vidéo. En tout cas là, ça veut dire que l'impact de la mise à jour sera sur du coup la partie. Donc si jamais ça arrive, ben, c'est très bien. Allez, on est parti avec Minerva. Ok. Attends, mais Meet the Neighbors. Mais non, mais c'est pas normal. Hein. Rencontre les machins. Ok, ok. Punaise, la carte m'a l'air d'être un petit peu plus rouge que d'habitude. On a des enclaves ennemies, on a des enclaves alliées qui n'arrêtent pas d'apparaître. Regardez ça. Une grise, une autre grise. Une autre grise. Non, ça c'est autre chose. Donc ouais. On a ce cœur-ci qu'on avait entamé, mais pas fini. On avait ce cœur-ci qu'on avait entamé, mais avec le souci que j'ai eu lors de l'enregistrement, on ne l'a pas fini non plus, parce que je crois que je me suis fait griffer. Et il y avait eux, je crois, qui avaient demandé une quête. Je ne suis pas très sûr. Donc en tout cas, on va se faire des alliés dans cet épisode. Et c'est tout ce qu'on veut, bien évidemment. Alors, les graphismes. Mais non, mais j'ai l'impression que le graphisme sont différents. Je sais pas s'il y a des choses. Ok, le jeu est en anglais. J'aurais dû vérifier avant de lancer quoi que ce soit. Niveau, en tout cas, aspect, normalement, il n'y a rien qui a changé. Vidéo, le flou. Ok. Alors, je sais pas pourquoi est-ce que le jeu est passé en anglais alors qu'on avait le texte en français. Et les objectifs sont en français. D'accord. Bon, bah, c'est pas trop grave. Est-ce que Minerva ressemble à Minerva ou pas? Parce que c'est ce qui est le plus important ici, vous savez. Ah, regardez, à l'extérieur, on est bien. D'accord, donc je suis un petit peu blessé. Après toutes les activités, j'ai rien pour me guérir par rapport à ça. On va prendre de quoi nous soigner. Puis là, j'ai que ça. On va prendre ça, on va prendre... mais je sais pas ce que je vais faire, en fait, sur cette carte. Habituellement, en fait, je réfléchis plus ou moins à ce que je veux faire avant de lancer l'épisode. Mais là, on est parti comme ça. Ils avaient demandé du carburant ou... Je sais plus. Donc, je vais prendre ça. Ça devrait me suffire pour faire quoi que ce soit dans le jeu. On a des balles. Est-ce que j'ai des balles pour l'autre fusil? Non. Ok. Non plus. Mais c'est des grosses balles, donc ça devrait aller. Allez, on va détruire des cœurs et puis on va se faire plaisir, hein, vous savez. Médoc. Ah, nice. Alors, je suis pas non plus celui qui croule sous les médicaments, mais on apprécie. On en a assez, plutôt. Il en reste 4. Ah oui, c'est chaud. Ok. Non, la base est différente. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai des choses à l'intérieur, apparemment. Tac. Bah, ça va. Ça va. Je crois que j'ai plus de place. Ouais, j'ai plus de place pour les matériaux. On est parti. On va détruire le cœur, du coup, qui est tout en haut. Leur donner leur médoc. Nous en faire des alliés. Et ça devrait bien se porter. Ah, la flèche. Regardez la flèche verte. Qui indique notre base. Ah, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et puis, en même temps, on a des t-shirts, donc ça fait plaisir. Ok. Bon, il y a des petites modifications ici et là. On les verra peut-être pendant le truc. On fait attention. On avance doucement ici. Boum, boum, boum. Voilà. Alors, moi qui pensais enlever le mode des voitures, apparemment, c'est pas encore fait. Alors, attention. On peut passer par là. Est-ce que j'ai fouillé le cœur qui était ici? Ah bah il est plus là. Allez, donnez-moi un boost. Vraiment sympa, s'il vous plaît. Make yourself at home.
Un sac de ménage. Vas-y, ici. Voilà, voilà. Ok. Reconnaissant sur le toit. Ouais, c'est pourri. Oh, du cocktail. Des cocktails Molotov. Ça, c'est pas du tout pourri. On a des tasses de café aussi. Ok. Alors, ces balles sont bien. C'est des balles de 9 mm. Alors, ça vaut la peine, en fait, d'acheter ces items-ci. Surtout le café. J'ai beaucoup d'influence. Ok. Je savais pas que j'étais à 2200. Mais on est content d'avoir ça. Donc, les balles m'intéressent. Le fusil m'intéresse aussi. Ok, je vais payer 54 d'influence pour avoir des balles. Donc, 15 balles et en même temps, 35 de machin. Donc, ça va encore, ça va. Et je vais prendre le café. Donc, gardez en tête, je veux avoir plein d'influence pour pouvoir acheter une compétence. Et pour ça, il faut qu'on ait un marchand qui puisse nous vendre ça bien. Ok, je vais stocker ici les cafés. Donc, toi, je te vide. Et du coup, on a des balles maintenant pour notre fusil. Et le café, je vais le boire. Alors. Vas-y, recharge-moi ça. Et toi, je veux que tu tires une balle par une balle. Ok. Donc, on va s'occuper de ce cœur-ci. Ouh, punaise. Ok, il y a un cœur qui dort. On veut pas qu'il se réveille. Alors, ici, est-ce qu'il y a des cœurs? Non, il n'y a pas de cœur. On a une base ici. Malheureusement, on peut pas se déplacer vers une autre base. Un boursouflé sur le chemin. Ok, il faut pas que je l'oublie, ce boursouflé. Il va me pourrir. Jamais je l'oublie. Ok, je crois que j'ai pas pris de sérum. Non. J'en ai pas pris du tout, même. Ok, on va y aller doucement. Les zombies sont assez dangereux. J'ai des cocktails Molotov, donc ça va encore, mais c'est pas non plus le truc de fou. Ok, mets-toi là. Et non, mais non, calme-toi. Voilà. Bon, bah, il est mort. Évidemment. Vous avez vu son attaque? Ouh, combat maxé. Combat maxé, qu'est-ce que j'ai? Endurance, combat rapproché. Le slam attack. Je sais plus c'est quoi le slam attack. Allez, je vais prendre le combat rapproché vu que j'ai discrétion. Vas-y, tu peux passer le mur, s'il te plaît. Arrête de faire ta... Ok, on va se faire des ennemis dans cette partie. Donc c'est l'enclave qui requiert des ressources alors qu'on se connaît pas. Je vais leur amener un... Qu'est-ce qu'on appelle ça? Un mastodonte. Vas-y, ouvre-moi cette porte, évidemment. Tu m'as entendu? Tu m'as vu? Ok. Mais comment est-ce qu'ils peuvent apparaître comme ça? C'est pas possible. Vas-y, prends ça. Ok. Regardez ça. J'ai fait tout ce chemin pour rien. Vas-y, prends ça. Pars-toi. Pars-toi par là. Le feu. Ferme la porte. Non! Roule. Ok. J'ai même pas de quoi me soigner. Non, je ferais bien mieux de me barrer. En fait. Ouais. Ok. Mais non, mais c'est incroyable! Est-ce que j'ai un remède dans le véhicule? Je vais même pas chercher. Non, j'ai pas. Vas-y, monte. On est parti. Non mais regardez cette sortie. Je suis venu ici tranquillement. Et là, boum, t'es empoisonné.
le virus. Ok. Bon, on a un avant-poste. On n'a pas besoin de rentrer complètement à la maison, mais quand même. Non, parfois tu te dis, mais le jeu il abuse un tout petit peu. Hein, puisque les zombies, la horde est apparue quand j'étais en train de tuer deux zombies. Hein. Mais bon, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. J'aurais dû avoir un remède avec moi. Mais le cœur est mort, donc là en fait ça utilise plus mon pétrole qu'autre chose. Faut que j'ai des médocs. Alors, normalement, les mines sont encore up. Donc, as some of you know, I grew up in a place called Trumbull Valley. The valley has seen tough times like everywhere else, but it's bouncing back thanks to the strong folks who live there. If you're looking for a good place with good people, you should find your way to Trumbull Valley. Alors, c'est ça qui me saoule un tout petit peu. Parce que, on a mis ça dans le... Je sais plus si c'est dans le dernier ou alors l'avant-dernier. Parce que je les ai enregistrés au même moment. Ok. Alors ici, on se soigne. C'est 2 heures ou je me trompe le temps que c'est? C'est 1h30. Ok. Sachant que certains épisodes font 50 minutes, ouais, c'est possible. Ok, alors qu'est-ce que tu as là-dedans, toi? Un autre sac. En fait, j'ai même pas d'objet de soin, c'est incroyable. Ok, alors retourner ici, ça m'intéresse pas tant que ça maintenant. Par contre, on a ce cœur-ci. Donc on va se le faire lui. Et peut-être un cœur qui est ici. Mais n'ayant même pas d'objet de soin et... Ouais, bah vous savez quoi, on va mourir. On va faire le dernier qu'on a. Parce que je vais pas aller me balader avec ça. Quoi. Enfin, je vais pas aller me balader sans ça plutôt. Je vais prendre les grenades. Ça, on a ça pour distraire les zombies. Le café, je sais même pas si je l'ai pris. Vas-y, prends le café. Voilà, tu peux le déposer. Ça, ça peut être bien maintenant qu'on a de quoi exploser les choses. Et on va voir. Alors, je suis déprimé. Alors, étant donné que je suis seul, déprimé ou pas déprimé, tu vas pas me quitter, hein? Minerva, t'es un peu coincé avec moi, là, donc... Donc, ouais. On va aller finir ce cœur. Ok. Leur quête sert à rien. Et les alliés qu'on a servent à rien. Donc c'est génial. Je vais devoir... Ok, je vais appeler une autre enclave. Mais mon souci c'est quoi? C'est que je ne peux même pas virer les enclaves que nous avons. Parce que pour virer l'enclave, je recrute en fait une personne de l'enclave. Et du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai quelqu'un avec moi et ça c'est pas possible. Ok, regardez tous ces zombies qui sont là. Je sais que c'est l'apocalypse mais quand même. Forcément. Il y a des zombies partout. Ok. Mais non! T'es censé faire des prises spéciales maintenant. C'est pas grave. On prépare ça. Okay. Elle s'est retournée. Mais non, comment est-ce qu'elle m'a vu? En fait, c'est ça qui me prend la tête. Comment est-ce qu'ils peuvent me voir? Cacher ta sœur. Ok. Non, mon véhicule est juste ici. Passe par là.
Ok. Passe par là. Ta mère. Ok. Alors, ce pistolet est bien trop puissant pour lui. Vas-y, sors ta tête, toi. Okay, go for the head. Ah, zut. Je voulais le faire en 3 balles. Donc, 3 balles, même des balles pourries, suffisent amplement. Ok, je peux pas faire appel à quoi que ce soit. Largage de matériel, combat... J'ai une porte, hein, je pense. Je vais descendre par ici et rentrer là. Non mais vous êtes pas infinis quand même. We're taking a serious beating. Ok, ils sont infinis. Lui, je veux même pas le gérer. Ah oui, d'accord, il vient de l'infestation qui est juste à côté. Bien évidemment. Bien évidemment. Pourquoi? Pourquoi pas? Ok, si je fais ça, je pense que je vais... Ok, là, je vous avoue que j'ai pas d'idée. On va se barrer, c'est mieux. Alors, dépose ça. That's pretty heavy. Ok. Alors, on va aller les voir. Ça va les énerver. Je sais pas s'il y a des choses que je puisse looter ici. Nothing moving about. Vas-y, montre-moi ça, même si j'ai pas de place. Merci beaucoup. Not exactly what I was hoping for. I think I'll take that. Oh. Oups. On s'en mec, on s'en mec. Vas-y, fouille-moi ça. Oh, ça c'est très bien. Ok, si je l'oublie pas. Hein. Merci. Ok, je suis full vie au moins. Alors, il y avait des tonneaux derrière, mais bon, c'est pas grave. Alors, vous voulez quoi? Un sac de nourriture? Ok, je peux parler avec un des membres? Non. Non, ce n'est pas la peine de se fâcher, on va partager, attendez une seconde. Non, c'est mort, on en a assez de vos menaces. Ok, on vient de se faire des ennemis, c'est bien. Oh, 200 d'influence, merci beaucoup. Merci beaucoup, laissez-moi voir. Un niveau 3 ici, donc il y a un mastodonte. Je sais même pas quoi dire. Il était niveau 0. Hein. D'accord. On va s'arrêter ici. Faire un peu de commerce. Oh hey. Bye now. You see that one? Oh hey. Salut Bill. See what we have here. Oh. Sounds good. Ok, il a malheureusement pas ce que je voudrais, mais on peut lui vendre ça. D'accord. Prendre de quoi réparer le véhicule? Non, je vais prendre les objets de soins parce que j'en ai pas. Alors, ça me titille de retourner ici. Le mastodonte va me pourrir. Et le véhicule, en fait, il est trop lent pour être manœuvré comme il faut.
Laissez-moi voir. Alors, il va faire nuit. Ok. On va aller détruire le cœur qui est tout en haut. Comme ça, au moins, la nuit va passer entre-temps. J'allais allumer un autre cœur. Ou plutôt réveiller. Oh yeah. Je sais pas s'il y a des toilettes dans le coin. Pour essayer de trouver des médocs. Il va falloir se presser. Avec cette mise à jour, on peut moduler le cœur noir. Et aussi les différents revirements. Donc c'est toujours bien. On n'est pas obligé de jouer dans un niveau de difficulté très élevé non plus. Hein. C'est surtout le niveau en fait qui vous permet de ressentir la pression. Donc si c'est dans le premier ou dans la deuxième, peu importe. Vas-y. Donc c'est bien d'avoir tous ces sliders. Alors je sais même pas où est-ce qu'ils sont, mais on peut regarder une fois que ça sera un peu plus calme. Attendez, c'est un truc de nourriture ça? Ok, on a un truc de médoc à côté. Donc sur le retour, on peut en prendre. Alors, il y avait un boursouflé ici, il a disparu. Et c'est ce que j'espère des zombies qui sont à côté du cœur. Achète ta mère. Regardez ça, regardez ça. Une horde. Mais non mais ils apparaissent de nulle part. C'est même pas comme si tu pouvais te dire ok, je vais nettoyer la zone et je vais commencer l'aventure. Non 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 non. Il pop sur toi. D'accord. Donc là, il reste plus rien au cœur, mais voilà, il y a un zombie juste devant la porte, c'est normal. Alors, si un sauvage me surprend, je vais avoir du mal. Ils m'ont vu. C'est normal, c'est normal. Juste être accroupi, ça sert à rien, quoi. Vas-y, lève-toi et... D'accord, il y a un truc bizarre ici. Je suis déjà... Non mais regardez, je suis déjà... J'ai pas été agrippé. D'accord. Alors, je comprends pas. Il va falloir revoir un peu le replay parce que... Parce que là, c'est chaud quand même. Not today. I have to slow down. Esquive. Ouais, mais... problématique, hein, ce truc. D'accord. Eh bien, c'est qu'on a des échantillons, donc... Mais ils arrivent à nous voir... accroupis. Moi, je sais plus, hein. Je sais plus. Oui, non, non, non. Lève-toi.
Sinon, tu vas les appeler. D'accord, d'accord. Alors, combien vont venir? Vas-y, remets l'essence. Ouais, c'est un petit peu chaud là. C'est un petit peu chaud. Vas-y, soigne-toi. On va vider un petit peu ce qu'on a. Plus d'échantillons, mais ça je peux le prendre sur moi, c'est pas un souci. Allez, vas-y, vale ça. Tac, tac. Ok. On va remplir complètement le truc. J'aimerais si possible retourner looter. Mais tu peux arrêter de monter, s'il te plaît. Il faut qu'on fasse une escale. Donc je suis accroupi. Non, ils sont trop nombreux. Ok, je sais quoi faire. Ouais, malheureusement, j'ai pas ce qu'il faut. Oh là là. Ok, il y a plein de hordes, mais ils vont disparaître quand on va détruire le cœur qui est réveillé. Je vais prendre ces pétards-ci, plutôt que la fusée. Parce qu'au moins, ça, je peux jeter ça. Tu m'as vu, toi? Non? Ok. Vas-y, je vais essayer de jeter ça le plus loin possible. Ils n'ont plus de raison d'aller vers le cœur. Donc normalement, il n'y a pas de problème quoi. Il y en a encore. Pas besoin de chercher le combat. Ah, des médocs, c'est parfait. Et on a des grenades aussi. Et malheureusement, rien d'autre. Okay. On est parti. Alors, il y avait un zombie ici, il a peut-être continué son chemin. Ou il a dépopé. Ok. C'est juste... Ah là là. Alors, ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, hygiène pourrait m'aider. Pour avoir moins d'infections comme ça. Donc, je me suis fait infecter 3 fois dans cet épisode. Le boursouflet a explosé apparemment. Ok, je vais pas pouvoir m'arrêter ici vu qu'il y a lui. On est parti pour se soigner pour la 1e fois. Et déposer un peu ce qu'on a. Alors, niveau quête. J'avais pas fait un appel. Ouais, j'ai bel et bien fait un appel. Ici. Non, je pense... Je sais plus si je l'ai fini ou pas.
C'est possible qu'il y ait personne. Ouais, il n'y a personne. Et vous savez pourquoi? Parce que cette quête de Minerva, rencontrer les voisins, a fait popper plein d'enclaves sur la carte. Donc là, je suis maxé niveau enclave, en fait, sur la carte. Merci beaucoup, Minerva. Ton shérifisme, là, il me pourrit la partie, mais c'est pas grave. On peut pas avoir trop d'enclaves sur une partie. Et on a un nombre limité d'alliés, en fait. Ok, on va pas se garer ici, quand même. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, j'aurais pas pu dépasser un certain nombre d'alliés. Mais là, avec les enclaves grises, j'espère qu'elles vont me proposer des quêtes pour passer à Miko et puis après plus. Quoi. Vas-y, dégage. Ok. Donc j'ai encore assez de médocs que pour en faire un autre. Bien nourri. Ok. On va se faire un autre sérum. Et on va aller détruire du coup le dernier cœur. Vas-y, on va prendre ça. Ici, peut-être qu'on aura des médocs. Alors, toi, tu dégages. Toi, je te prends avec moi. Toi, tu dégages. Et on est bien. Donc là, les zombies devraient être au moins. Ah, tiens, c'est passé niveau 2. Ok. Je sais pas qui nourrit, en fait, cette infestation. C'est pas quelqu'un fait ça. Mais dans cet épisode, on va monter notre tir, parce que ça commence un peu à me saouler. Avec le tir, je pourrais faire les quêtes de Minerva qui demandent de tuer des gens. On va se positionner d'une certaine manière avec le véhicule. Ah vas-y. Ah, c'est vrai que c'est bloqué de ce côté. Non mais à chaque fois que je suis là, qu'est-ce que tu fais? Non. En fait la hitbox du véhicule je pense est pas comme il faut. Parce qu'il faut monter par là pour aller sur le toit. Ok, arrête de faire ton nerveur. Ok, on va viser le cœur. Aïe. Ouais, il prend des dégâts, ça va. Ok, là c'est mieux. Matière première, les insoumis. Je sais pas c'est qui les insoumis, j'ai pas pu me familiariser avec les enclaves. Ok, là j'ai plus d'armes. Allez, arrête de bugger comme ça, mec. Le mec, il est en 3 frames. Voilà. Donc ici, c'est qui? Oh, punaise, j'ai... Vous savez quoi? Grenade. Grenade, j'espère que ça va marcher. Ah, oh, va chier, ça.
Non mais ça, ok. En fait, c'est difficile de viser comme ça. Alors, avec le fusil que j'ai... Voilà, le cœur est mort. Il me reste 18 balles. Allez, montons au max niveau... comment est-ce qu'on dit ça? Niveau tir. Ok, c'est pas le bon fusil pour faire ça, punaise. Deux têtes à la fois, c'est génial. Non mais, les gros calibres, ils font vraiment la... Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 5 balles. Ok, après je vais pleurer. Vas-y, tu veux venir toi? Non. Je préfère ne pas rater avec ma balle, vous êtes sérieux ou quoi? Ok, j'ai plus rien. Là, j'ai vraiment plus rien, c'est fini. C'est fini. Attendez, on n'est pas alliés déjà? Oh! C'est très bien. Donc si j'arrive à rentrer sur... dans mon véhicule, on devrait bien se mettre. Ok, ok. On va prendre ça et on va courir. Barrière. Eh oui, il m'a arrêté après la barrière, mais ça, vous savez, c'est la base. Hein. Ok. Be careful of plague zombies around here. Il y en a un derrière moi. There's always a few more around. That's almost as much as I can carry. On répare bien le véhicule. Ok. Non, ça c'est bloqué. On va devoir se frayer un chemin. Mon problème, c'est mon véhicule. Ok. Vas-y. Parce que... il est pas contre un obstacle. Faut essayer quand même de le récupérer. Je vais rentrer par l'autre porte. Mais normalement, ils vont se mettre directement sur le truc. Pour le capot. Regardez ça. Ils sont trop nombreux. Le temps que je switch de place. J'espère que j'ai assez d'endurance. Ah, elle est cassée le... Zut. Ok, on va avancer. Saute. Ok. Mets-toi comme ça. C'est déjà mieux. D'accord. Ce cœur... enfin, cette infestation n'a pas été affaiblie, donc il y a un cœur. Il y a un cœur ici. Je sais pas s'il est réveillé ou pas. On va utiliser le kit rapide là. Voilà, merci beaucoup. Salut les insoumis. Vas-y, tiens, prends ça. Ah là là, fourniture de menuiserie. Hola.
Nous sommes alliés. Qu'est-ce que tu me donnes? Lit et nourriture. Ok. Ça, c'est sans doute un des meilleurs bed and breakfast, bien évidemment. Malheureusement, on n'en a pas besoin. Ok, alors qu'est-ce que je peux te vendre? Malheureusement, j'ai que ces choses-là. On va prendre les médocs. Heureusement qu'ils en ont. Hein. Alors ça, je vais le prendre. C'est un petit calibre, ce truc. Mais je peux récupérer des balles et de quoi démonter les choses. Ok, on a trois screamers qui approchent. Non, j'ai pas besoin d'argent, donc ça va encore. Par contre, je vais prendre ici leur pal. Leur truc. On prend ça. Ce truc-ci. En fait, le shotgun, je ne joue juste pas avec le shotgun parce que j'ai ma poêle. Parce que le shotgun, c'est la meilleure arme contre les... Comment est-ce qu'on appelle ça? Contre les sauvages. Vas-y. Donc là, c'est des petites balles. Ah, punaise. Leur cadence est très rapide. Ok, donc là, j'essaie de monter niveau. De niveau de tir. Ok, y a qui d'autre? Oh, mais ta sœur. J'ai pas besoin de monter en combat, quoi. Vas-y, monte sur le capot. Voilà, fais des dégâts au véhicule. Il a mis trois coups au véhicule. Mais je galère déjà. On a des mines, c'est pas un souci. Donc on dépose le sac et on dépose ces petites choses. Donc là, l'arme, je peux la démonter. Non. Démonter. Ok. Les armes blanches. Alors ça, c'est un gros truc aussi. Ça, je le stocke. Je crois que c'est une bonne arme. On a un shotgun ici si jamais je veux me battre plus avec les sauvages. On va faire une attaque très rapide. Très rapide sur un cœur. Ok. Ces trucs-ci, ils servent à rien. Ah oui, d'accord, j'ai énormément de balles de shotgun, en fait. Ok. Bah, vous savez quoi, je vais prendre un shotgun avec moi. Parce que j'ai les balles, au moins. Ok. Attends, j'ai que 18 balles. J'ai pas plus que ça. Ok, bah je vais prendre ce pistolet aussi. Voilà. Comme ça, j'ai plein de balles. Là. Et être sûr de pouvoir monter de niveau. En fait, je devrais faire ça aux abords de la base. C'est même mieux parce que... Si jamais il y a trop de zombies, bah ils vont exploser. Mais je veux voir en fait si le cœur est réveillé. Parce que je vois pas quel autre cœur est réveillé autre que celui qui se trouve ici. Peut-être celui qui se trouve là. Oh, trois boursouflés en balade. Des enclaves, ok. Ok, il n'y a pas de cœur ici. D'accord.
Alors c'est pas plus mal, hein, parce que là... Ah, trois autres boursouflés ici, d'accord. Je pense qu'il est temps pour nous de nous quitter, parce que... S'il y a autant de zombies... Essayer d'apparaître comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. On peut venir ici. Non, en fait, non. C'est un bon indicateur de voir si j'ai tué le cœur qui a cette infestation-là. On a des zombies ici. On devrait avoir un cœur. Ok, c'est ce cœur-ci qui est réveillé. D'accord. D'accord, ben on va prendre notre niveau et puis on va s'arrêter là. On va utiliser ce pistolet qui sert à rien, qui est peut-être même mieux en fait. Non. Change de fusil, recharge. On peut pas faire une balle à une balle, donc on va arroser. Hein. Ah oui, d'accord, c'est du lourd. Ok. Et ça fait un petit peu de bruit. Enfin! Ah oui, non, j'ai galéré. Hein. Regardez le nombre de zombies que ça attire. Ok. Le tir. Nous avons flingage. Ok. Vas-y, prends flingage, ma petite Minerva. Et on est parti. Voilà. Notre seul souci, c'est quoi? C'est l'endurance. Bien évidemment. Ok. On devrait trouver un chemin où nous barrer. Peut-être par là. Je sais pas. Ok. Il y en a qui sont en train de se marrer. Ça, c'est bien. Ils sont malades, eux. Allez, vas-y. Essayez de monter sur le capot, s'il vous plaît. Eh oui. Vous avez un peu de mal, hein. Ouais, je sais. D'accord. Bon, on va s'arrêter ici, hein, je pense. Donc, plus d'alliés, ça serait une très bonne chose. Là, normalement, on peut tuer les humains, donc je peux faire la quête du... je peux faire cette quête-ci. Pour être sûr en fait qu'il meurt efficacement. Et apparemment ce fusil est pas mal. Le calibre est quand même petit je trouve. Mais au vu du bruit, faudrait peut-être comparer les dégâts, mais normalement les petits calibres ils vont pas tuer les humains très vite. Mais ça va, on peut faire des headshots là. Donc on va voir ça dans le prochain épisode. Donc on va s'arrêter ici, j'espère que l'épisode vous aura plu. Et ouais, le jeu est compliqué, hein. Il fait apparaître des zombies sur toi, ce qui n'est pas forcément juste, hein. Vous allez me dire, c'est l'apocalypse, on n'a pas besoin d'être juste, mais quand même, il y a des limites. Il y a des limites. Donc, ouais. On va voir ça.